Hey, hey, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice joue à Nova Drift. Oh, aujourd'hui, pourquoi pas laisser tout activer après tout, hein? Il y a eu de la mise à jour sur Nova Drift pour rendre le début un peu moins violent et pour rendre l'assortiment des nouveaux ennemis plus tardif dans la partie. Et donc, probablement, c'était ça qui m'avait bloqué la dernière fois, bien sûr, et qui avait fait qu'on n'avait pas été très loin. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui nous allons jouer avec. Boom missile ou boom grenade? Excellente question. Je crois que les parties que j'arrive à mieux construire, c'est celle avec les missiles. Hein. Allez. Et avec un truc qui augmente les dégâts. Quand il y a des ennemis dedans. C'est pas ça. C'est pas mal aussi. Hein. Ah si, c'est ça. Ou alors un siphon. Fonfon. Les petites marionnettes. Voilà. J'aime pas les autres armes. Je sais pas. Disons que là, j'essaie de miser sur... Dit-il en se faisant taper par tous les ennemis qui sont là. J'essaie de miser un peu sur les armes que je connais ou dont je comprends la logique, quoi. Donc la fléchette, je sais pas trop comment la construire à part brûlure, tout ça. Mais bon. C'est pour ça que je joue un peu toujours les mêmes archétypes, parce que pour l'instant, même ça, je n'y arrive pas, donc j'essaie de creuser un peu quoi avant de jouer avec autre chose. Bon, ça, je pense que c'est vraiment fait pour jouer avec la missile, logiquement. Non. Sac de la tête chercheuse, ça paraît logique. Ça semble être tout de même assez logique et assez simple à mettre en œuvre. Allez, on ne veut pas de la vitesse, on veut du ciblage. Voilà. Allez, régène-moi ce bouclier. Et ça. Voilà, ça tabasse. Très bien. Je pense que gros calibre va pas me pousser. Bah si, il va me pousser vers l'arrière. Parce que je tire vers l'avant globalement quand même. Allez mon juju. Cadence, ça permet juste de charger plus vite, je crois, mais ça c'est bon aussi. Belle esquive. Peut-être. On veut pas de vélocité avec cette arme. Plus de projectiles, moins de rayons d'explosion, plus de dispersion, ce n'est pas vraiment un problème. Et moins de vitesse, ça aide le ciblage. Donc je pense que ça, c'est une bonne chose pour nous. Peut-être. Tête chercheuse. Je sais pas trop ce que ça fait avec ça. Ah non, c'est des projectiles en plus, hein. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Hein. Non. Nous, on veut que tous les missiles touchent, pas qu'il y en ait un qui fasse un peu moins de dégâts, qui touche à chaque fois. Ça m'intéresse pas ça. Oh, elle charge vite. Hein. Les barres 40 par 40, là c'est pas mal. Ce serait vraiment bon avec les missiles, ce serait des projectiles qui phasent, mais je ne sais plus comment on les a. Améliore le ciblage, bien sûr. On veut que tout le monde touche, même si tout le monde fait un peu moins de dégâts. Voilà, parce que quand ils se prennent une volée de missiles, ça tabasse. Très bien, allez. Pourquoi pas, plus d'ennemis dans notre rayon de bouclier, ça fera plus de dégâts. Après, le problème que j'ai sur ce jeu, c'est que voilà, je fais beaucoup trop de comme ça, pourquoi pas, tu vois. Et pourquoi pas, c'est non. Non, non, on veut que des trucs qui marchent très bien, en fait. On veut pas des trucs qui sont... Ouais, peut-être, pourquoi pas.
S'il vous plaît, les petits merdes, lâchez-moi. Oh. Plus de boom. J'utilise les relances. Bah là, j'ai pas vraiment eu besoin, mais j'avoue que pour le bouclier, j'aurais peut-être dû. Ça, au bout d'un moment, ça peut être très intéressant quand on prendra la rancœur. Ah, c'est... Éclat, oui. Et moins 15% de cadence de tir, ça me plaît pas. On lance. Et alors, attends. Toile mouvante. Ah, c'est pour faire des grosses grosses brûlures, ça c'est pas ce qu'on veut. Pas ce qu'on veut en plus. Ok. Pas d'autres super modèles proposés. Vas-y, on relance encore. Non plus. Les obus antimatière, ça pourrait être pas mal. Donc ça avec rancœur parce que je prends des dégâts quand je tire. Ajoute du recul, ajoute une détonation à la bouche du canon. Plus de vitesse du projectile. Je sais pas, on essaye, ça fait un moment que je vais essayer de faire ça. Je sais plus comment on a rancœur par contre. De la comète. Yes. Et ça c'est quoi? Tir unique. Pas ce qu'on veut ça. Par contre on veut charge explosif pour les obus antimatière. Ah pourquoi pas, non c'est ce qu'on essaye de mettre en place et voir si on arrive à faire une partie qui tourne avec ça. Ah bien. J'ai oublié de bouger. J'ai pris 0 amélioration de bouclier. Hein. Oups. C'est pas ça les trucs qui phasent? Non. Rancœur, c'est ça qu'on veut. Il faut tir chargé et absorption. Ok. Ah, mais on n'a pas convergence encore. Il nous faudrait convergence. C'est la base pour les missiles qui touchent. Le reste, peut-être que j'aurais dû le prendre maintenant, parce que c'est ce qu'on veut plus tard. Mais... Voilà, ça fonctionne pour l'instant. Hein. Tu meurs maintenant. Merci beaucoup. Oh. Ok. Donc. Il n'y a rien de ce qu'on veut là par contre. Heureusement on a des relances. Moins d'effet du bouclier, c'est pas bon pour nous. Tir discerné. 15% des dégâts totaux d'explosion pour le projectile central. C'est lequel dans mon missile, je ne sais pas lequel c'est moi. Je ne sais pas. Pas sûr que ça m'intéresse. Il me faut de la coque, ça c'est sûr. Et absorption de toute façon c'est sur cet arbre là. Donc ça me l'ouvre très bien. En gros,
que j'aimerais essayer de mettre en place, et je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est d'avoir Rancœur et les obus antimatière. Du coup, le fait de tirer me fait mal, mais mes prochains tirs feront plus mal grâce à ça. Et ça, ça me semble intéressant. La régène, ça semble vraiment très bon. Les missiles qui se divisent, ça doit être juste trop drôle. S'ils sont aussi à tête chercheuse, ça peut être juste excellentissime. Mais ça diminue mon temps de charge de missile. Et ça, ce n'est pas vraiment bon. Mais je vais quand même essayer. Plein de petits missiles. Ça marche. Attention, il y a les ennemis. Les ennemis qu'on n'aime pas, les nouveaux ennemis, je sais plus comment ils s'appellent. Bref. Comment s'appelle l'animal auquel ils me font penser? Bref, tir chargé, on le veut. Ah, c'est ça qu'on va faire maintenant. En train de charger. Il y a eu un gros boom. Là aussi, il y a eu un gros boom. On veut l'absorption, bien sûr. Allez, bientôt le premier super module avec la rancœur, c'est parti. Où est l'entrée? Ne passe pas de l'autre côté de l'écran, s'il te plaît. C'est vraiment important que tu ne passes pas de l'autre côté. Ok. Ah, j'ai peut-être oublié un truc là. Je vous ai peut-être laissé le son du jeu un peu fort, non? Excusez-moi, ça doit vous péter les tympans et personne dit rien. Après, vous avez bien profité des booms des missiles, quoi. Mais ça peut-être même encore un peu fort, hein. Et je crois que là, c'est plus proche de ce que j'entends moi, donc. C'est comme ça. Ça fait boom. C'est normal. C'est Nova Drift. Pas mal d'explosion. Plus fort. Oui. Alors. Qu'est-ce que ça? Plus 25% de projectiles, plus 1 projectile, plus 10 aux dégâts de base pour les armes à impact. Je pense pas que ce soit une lame à impact, mon missile. Tire des projectiles en barrage constant. Non, mais ça marche pas, ça. Ah, maîtrise, on veut. Obus antimatière, on veut. Ah, mince. Bah, d'abord les obus. Et puis... Ah oui, bah oui, c'est les explosions qui brûlent. Je vais essayer de prendre ça. Ça, c'est dans quel arbre? C'est dans l'arbre de brûlure, j'en ai aucun. On relance. Plus grand bouclier. Pour plus de dégâts? Non, prends la régène, prends la régène. Allez, un peu de survie quand même. Ouais, grosse barre de vie qui se régénère, c'est bien. Un moment pour tenir quand j'arriverai pas à tuer un ennemi, mais le but c'est de pas leur laisser le temps en fait. Clairement. On veut masochisme dans cette partie, oui. J'ai pas encore eu la rancœur, si. Je crois pas. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Mais ça marche! Pas que 55 quand même, hein. Sur 100, c'est bien! Rancœur. Ok. Moins de propulsion. Je me fais des dégâts de coque. Non, vous faites pas des dégâts de coque, pardon. Quand vous subissez des dégâts de coque, ça augmente la charge. Pas les dégâts infligés à soi-même. Ah mince! Marche pas ça! Zut! Crotte. On reprend quand même. Il
Du coup, ça va pas marcher avec les obus antimatière. Ah mince! Ah, je suis triste. Mon plan est à l'eau. Comme d'hab, parce que je connais pas bien le jeu. Donc là, j'ai la rancœur. Là, il va se faire démonter. Ah. Je sais pas ce que ça va faire, mais je vais le faire. Ah, casse-toi. Aouh. Je suis où? Je suis là. Tout cassé. Maîtrise toujours. C'est juste trop bien. Toutes les stats d'attaque qui augmentent, je crois. Bon. Il faudrait tellement les projectiles qu'ils fassent, mais je sais plus comment on les a. Les projectiles qui quitteraient l'écran ressortiraient comme moi de l'autre côté, tu vois. Ça ferait tellement de missiles qui touchent en plus. J'ai raté un truc. C'était un bot ou un divulgachi? Les bots ont sévi en tout cas. Alors, bot, ok. On peut tenter d'accéder à ce machin-là. Hein. Allez, vas-y. Casse tout! C'est lui qu'on veut? Oui, c'est lui qu'on veut. Et il nous faut ça aussi, parfait. Très bien. J'ai construit un truc qui marche. Ah, ma vie! C'est drôle ce jeu. Il y a vraiment un côté assez émerveillement de ce que t'as réussi à construire quoi. Regarde, on casse tout. Ouais. Yeah. Ouais. Badaboum, ça fait des jolies couleurs. Badaboum. Youpi. Ah, voilà. Voilà. Non, c'est pas ça qu'on veut. Gros missile. Je sais pas si c'est une bonne idée, je crois que c'était une bêtise. Ouf. Est-ce que j'ai déjà joué au Beat Hazard? Ouais. C'est du jeu rythme. Du jeu rythme, ça, non? Ah non, ça prend ta musique pour faire des tableaux de shmup, je crois. Ouais, ça. C'est quoi? C'était quoi? C'est ça, ah ok. Ouais, j'avais joué sur mon téléphone un peu. Pas beaucoup. Mais un peu. C'est que des trucs que je veux pour... Mastodonte. Plus de durabilité de coque. C'est quand même bien ce qu'on veut, ça. Je pense qu'on se propulse à 2 à l'heure au secours. Ah ouais, si un ami qui arrive avec des lasers, on est bon. Mais bon. Les obus antimatière font pas très mal. Hein. Je sais pas si c'est grâce à ce qu'on a pris sur la coque, mais... Ah, avant ça, pas forcément celui qu'on vient de prendre, mais déjà tout à l'heure j'avais remarqué que ça prenait pas beaucoup de points de vie. Non. Quoique, franchement on s'en fout du bouclier, non? Ça fait rien. Il nous fait rien notre bouclier.
Allez. Du coup, j'ai récupéré un point de bouclier, je crois pas plus. Vitesse du projectile, non, hein. Plus j'ai mal, plus je fais mal. Ça semble intéressant dans notre partie là. J'espère que vous m'entendez quand même, hein. C'est pas gagné. Quand même une barre de vie d'une bonne taille, hein. Quand elle va être vide, je vais être triste. Bon, ça va, je sais construire une partie avec les missiles. T'es pas le boss de fin, toi ? Help ! Vite ! Non ! Vas-y, fais-moi mal. Vas-y, essaye. Plus tu me tabasses, plus je fais mal. Il me pousse. Il me pousse, l'autre. Là? Oui. Je sais pas ce que c'est ça. Tu crois que ça va faire juste un gros missile ou... Bon, je vais prendre rupture d'abord. Parce que c'est un truc avec les explosions et tout là, ça semble être intéressant. Et après, j'essaierai à un moment de prendre tir unique juste pour le fun. À mon avis, ça va tuer la partie, mais c'est pas grave. T'es trop gros. Oh, je suis tellement lent. Oh non, cours, cours, petit chuchu. Allez. C'est un ami qui est super lent et le but c'est de rester dans son dos, mais j'ai un peu du mal avec ma vitesse. Bon, rien de tout ça. D'abord ça. Est-ce que j'ai un moyen de faire du feu? Les explosions font du feu, non? Probablement. Oh, vous êtes placé tellement bien pour que je balance tout en vocal. C'était beau. Et on essaye ça pour la fin parce que on sait pas ce que ça va faire. C'est des gros missiles. Qui font encore plus des gros booms. Ça se charge hyper lentement par contre. C'est moins bon. Ça fait mal, mais c'est vachement moins bon. J'ai tué la partie. Bon, c'était prévu. C'était prévu, quelque part. Mais... Ouah, la belle petite formation que voilà. Je charge pas assez vite les missiles. Après, ça me laisse juste plus longtemps où je me fais tabasser et où je vais taper plus fort après, éventuellement. Faut toujours que je prenne le truc de trop qui casse tout, hein. Bon, après, ça marche encore. Hein. Ça marche encore. Et ça, ça marcherait ou pas? C'est rien, on va essayer. Ah. Attendez, attendez, attendez. Attends. Tu m'as fait mal. T'aurais pas dû. Et vous mettez pas devant mes canons, bande de cons. Ils sont bêtes aussi. Ils se mettent devant le canon, d'où sortent tous les missiles. C'est pas très malin de leur part. Est-ce
Est-ce qu'il y a encore des trucs qui donnent de la cadence de tir? Parce que je crois que j'ai tout cassé. Il faudrait vraiment que ça charge plus vite les missiles là. Oh oh. Oh là. Oh là. Alors celle-là, à mon avis, on la passe pas. Moins 30% de dégâts d'armes, faut pas que je fasse ça. Stabiliser. Résistance de la coque. Je fais des dégâts de collision maintenant. Bon alors maintenant on peut faire des trucs comme ça peut-être. Où on... où on fonce sur les ennemis pour se faire un peu mal et leur faire plus mal. Gagner un peu en propulsion j'ai l'impression. Ça marche pas. Voilà, David et Goliath. Que là, David, c'est un petit gros qui lui tape fort dans les tibias. Ou à l'autre est... Ah, ma vie! Yeah! Ah, sur ce genre de vague, on va peut-être avoir du mal. Non, ça va. Ah, je pensais qu'avec les petits, là, on aurait du mal, mais... Ouais, si, quand même. Ah, une fois qu'il les a mis. Ouais! Je crois que je suis en train de faire mon record 400 000, non? C'est pas mal, hein? Bien! Plus 20% de régénération, ça semble être intéressant, mais. Mais non, mais c'est moins de cadence encore, c'est pas possible, je peux pas prendre ça. Prendre de la régène, tiens. Aïe, aïe. Non, non, pousse-toi. Non, mais... mais pousse, Martine. On n'avance pas, je te dis. Non. Incapable d'esquiver, il meurt lamentablement. Ouh. Eh ben... C'était rigolo. Ah, ça, faut qu'on l'ait. C'est trop drôle, c'est pour devenir un serpent. Ça doit être trop marrant. Eh ben, écoute, hein. Oui. C'est la dernière amélioration qui nous manque à débloquer. Après, on aura tout débloqué. Eh ben, écoute. Ah. Ouh. Vague 122, quoi. Ouais! Ouais, je sais faire un truc qui fait boum! C'est bien! C'est bien! Bon, n'empêche que ça n'a duré que 28 minutes tout ça. Alors, on peut s'en refaire une petite. On va pas forcément aller au bout cette fois, mais. Enfin, il n'y a pas de bout de toute façon, ce mode est sans fin. Et donc, la vague 100, c'est le boss de fin. Le mec bleu là qui balançait des tirs de railgun qui me faisait à peine sourciller et qui faisait que je lui faisais plus de dégâts de missiles. C'était l'équivalent du boss de fin actuel. On se tente une comète? Allez. On tente une comète. Allez, l'XP là. Voilà. On va se prendre un halo, bien sûr. Ah, j'aurais pu prendre un siphon, sinon. Mince. Je sais pas s'il y était. Ça aurait bien marché avec ce que je vais essayer de faire. Non. Ah, je prends déjà l'habitude de jouer en fonçant dans les ennemis, parce que c'est ce que je vais faire, de toute façon. Ça, c'est pour tirer derrière soi. On a les deux qui marchent comme ça en fait, c'est deux vaisseaux pour, avec lesquels tu vas vouloir parcourir le plus de distance possible. Ça pour mettre des trucs partout, et ça... Et ça c'est juste on fonce dans les ennemis quoi. Vas-y, le briscoque, c'est parti. Ah mais je suis si petit. Ah faut que je vise. Ouais, j'arrive, j'arrive. Ah yes. Enfin si je tire en même temps quand même je vais un peu moins vite. C'est pas inintéressant. Yes. Allez, c'est parti. Ah, il va nous falloir de la coque, ça c'est sûr.
J'arrive, j'arrive. Eh, t'en bouge pas. J'arrive, hein. Non, attends. Oui. Strike. Dans le mille. Oui, oui, oui. Hey, bon dégâts, bon dégâts, bon dégâts. Presque. Aïe. Je me suis juste fait mal comme un con, là. Là, ça va être bon. Non. J'ai raté l'angle. Pas simple, hein. Est-ce qu'il vaut mieux se réaligner plutôt que de faire des passages en essayant de trouver le bon angle. Ma petite tête n'avait pas l'air d'être très douée pour faire ça. D'évidence. Ah, super module, pourquoi pas. Plus gros ou plus petit, hein, c'est un vrai choix qu'on va devoir faire. Hein. Rancœur, ça marche. Parce que c'est pas des dégâts qu'on se fait, c'est des dégâts qu'on va faire en tapant dans l'ennemi, mais on veut pas vraiment que notre arme tape plus fort. Hein. Effet du bouclier, écoute, pourquoi pas. Durabilité de la coque, c'est globalement ce qu'on veut. Mais on se propulse moins vite et nous on veut être une comète quoi, donc non. Ça va. Tête. J'arrive. Ah. Et bon. Ok. Oui, on veut un plus grand bouclier pour cramer tout le monde. On veut commencer à leur faire des dégâts avec le bouclier qui crame en fait. Avant de leur foncer dedans. On veut de la régène probablement, on veut de la propulsion d'abord. D'abord ce qui fait marcher la partie, après ce qui nous fait survivre. Est-ce que c'est vraiment le bon ordre des cieux? Je sais pas, en le disant, ça, enfin en le pensant ça me semblait être juste, mais en le disant ça me semble être vachement con. Mais bon, c'est peut-être pas si con. On va voir. Non. Oui, propulsion tout le temps active, on s'en fout. Ah, on commence à aller vite. Donc après, ce qu'on voudra, c'est quoi? C'est la téléportation. Je sais plus ce qu'il y a comme truc funky avec la mobilité, mais il y a des trucs complètement fous aussi. Tuer les ennemis avant qu'ils te tuent, c'est une façon d'aller loin. Bah ouais, ouais. Tout dépend à quel point on est fragile. Tu vois, là j'ai déjà plus de PV. Quoi. Donc là je peux pas jouer à foncer dedans. Enfin, pas trop. Ah, ah et la propulsion constante m'a complètement mis dedans. Là. Encore. Petite d'air. Bah sinon, avec la lance thermique, il y a peut-être. Ah non, moins 30% de propulsion pendant que je la charge, ça va pas ça. Un vortex? Ah non, ça va pas avec la charge non plus. Sinon on prend pas d'armes. Et juste on joue en fonçant dans les ennemis, c'est un peu con ça, non? Je sais pas avec quoi jouer la propulsion en mode vraiment voilà brise-coque, hein, je fends les vaisseaux avec mon vaisseau et pas avec une arme. On va passer la pilosité faciale. Je suis un doux. Je suis si doux. Écoute, je ne sais pas quoi prendre comme arme, donc je vais prendre un vortex. Je sais à peu près jouer avec ça. Là, ça marche. Ah, attends, et c'est lui, il a juste trouvé un mot sur la table du salon. Elle était partie. Excellent. Est-ce qu'il y a siphon? Oui, allez, on tente siphon. Après, là, je suis en train de construire une partie vortex. Ça aussi, on sait que je sais faire. Vas-y, reprends le briscoque. Oui! Voilà, ça marche très bien ça.
malgré la perte de vitesse avec le vortex, on va assez vite. Propulsion. Ah là, tu fonces dedans, tu bloques dessus, tu lui fous le vortex et tu te casses. Ça marchait très bien, ça. Attends, j'arrive. Bouge pas, bébé. Attends, j'arrive. Voilà, nickel, ça marche. D'abord, les trucs en rapport avec la propulsion. Pourquoi pas une propulsion mortelle, là. Péter son bouclier, c'est très bien. Des dégâts avec le flash, c'est excellent. C'est, ouais, ça, on va jouer ça. Un petit vaisseau. On peut essayer de construire ça. C'est peut-être logique. Boum. Bouge pas. Ça met longtemps avant de nous faire les dégâts, le vortex. Alors, plus de production et moins de coque. Et moins de dégâts de collision. Bah non, c'est pas ce qu'on veut. C'est quoi ça déjà? Porté par le vent. Esquiver les dégâts des ennemis. Bah non. Non, non, on veut en faire. Enfin, on va s'en faire parce qu'on va foncer dedans. On est un brise-coque, on n'est pas un colibri, quoi. Ou je sais pas comment on peut appeler ça. Mais... Bref. Suis le forêt qui va transpercer les cieux. Ou les vaisseaux. Dans les cieux. J'ai mal. Ah, puis j'ai pas de régène encore. Ok. Oui, plus de dégâts avec ma vitesse, c'est exactement ce qu'on veut. Peut-être. Exactement ce qu'on veut, peut-être. Attention, attention. Wouh. Faudra un truc qui me permet de me stopper net pour mettre le vortex et qui reste sur les ennemis. Sinon, ça marche pas le vortex. Là, il traverse trop vite. Ah, me poussez pas. Le flash. Le flash, c'est drôle. Ah, c'est ça! C'est ça qu'on voulait avec les missiles, les tirs téléportés. Projectile traverse l'écran une fois. Ça pourrait marcher avec le vortex aussi. Hein. Lorsque le vaisseau traverse l'écran, il perd 10% plus 5 points de coque et de bouclier. Ça peut pas vous tuer. Non. Tir téléporté. Non, déplacement, pardon. Quand vous déclenchez esquive, vous provoquez dorénavant flash. L'esquive, c'est ça. Je sais plus où c'est ça. Mais c'est vraiment pour faire une ruée, c'est trop bien. C'est bien, il faut qu'on ait ça. On prend flash. On va jouer la mobilité dans cette partie. C'est avec quoi? Avec croix. D'accord. Flash! Je perds de la vitesse après flash ou pas? Je sais pas trop, peut-être. Je tire derrière moi. Ça peut être drôle. Puissance cachée, plus 40% en dégâts globaux. Ah, j'ai plus d'armes. Pourquoi pas? On va jouer avec le flash. Ça va être drôle. Peut-être. Ça va sûrement être drôle. Je veux qu'il se recharge plus vite le bouclier plutôt qu'il soit plus gros parce que quand il se pète, il se passe des choses. J'ai ça dans cette partie ou c'est dans la partie d'avant? C'était probablement la partie d'avant, mon bon Juju. D'accord. Donc plutôt des plus gros boucliers. Quand vous ne vous propulsez pas. C'est contre ma religion de ne pas me propulser. C'est n'importe quoi l'autre. Ça c'est quoi?
Sanctuaire. Quand votre bouclier est actif, vous récupérez plus vite, plus il vous manque de bouclier, d'accord. Moins de propulsion. Absorption. Plus de blindage, ça c'est intéressant. Armure de force, c'est intéressant aussi. Ok. Bon bah. Ah, plus d'armes. Voilà. Je sais pas si c'était une bonne idée. J'ai tué un ennemi. Je sais pas comment on allait esquiver. Peut-être falloir que j'aille voir dans le menu quand même. Ah ah, la lance céleste, c'est ce qu'on veut ça, non? Il faut stabilisation, ouais, c'est ça. Stabilisation, il est là, c'est dommage. Les dégâts que vous, votre vaisseau inflige et subit augmentent aussi longtemps que vous vous déplacez à vitesse élevée. Ah. Bon, c'est pas grave, il nous faut la lance céleste, c'est ce qu'on veut, on veut être une comète. Paf! Ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Système d'urgence. Unité aux dégâts pendant 0,8 secondes. Pourquoi pas. Pourquoi je souffre tout le temps? Pourquoi ma vie n'est que souffrance? Ok, c'est ça qu'il faut. Vitesse de rotation, non, ça va me faire trop de bêtises. Ça ne sert strictement à rien pour le coup parce que je n'ai pas d'arme. Ah bah j'ai le déferlement. Bien sûr. D'accord, ça marche. Relis-moi ça. Quand vous utilisez une lance céleste, stabilisation vous ralentit brusquement. Et lance une orbe de feu. Et stabilisation c'est vers l'arrière, c'est ça? Elle est où l'orbe de feu? Ah mais faut cliquer le stick. Ah non mais ça va pas du tout, faut que je change les contrôles. Ça va pas du tout, mets-moi ça sur B ou je sais pas quoi mais... C'est où stabiliser? Stabiliser. Ah c'est cliquer le stick. Non. Je sais pas moi. Ça. Ah mince. Il y a déjà ça. Bah mince. Bah B. B c'est dans les menus. Ouais, parfait. Voilà. Ok. J'ai plus de vie sinon. Ça va pas fort. Petit moment de calme. Mais j'ai le bouclier. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Pas mal pour un mec qui a pas d'armes. Ok. Par contre, sur lui, je sais pas du tout comment je vais survivre. Hein. Plus début de combat un peu dégueu, on peut même pas voir l'entrée du boss. Merci. J'ai une idée. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais c'était mon idée en tout cas. C'est quoi déjà ça? Non. Recharge du bouclier, peut-être, mais on va relancer parce que là on veut des trucs plus importants pour nous. Finalement j'ai pas pris ça. Okay. Aouh. Bim, et là. Oups. Je fais trop vite. Je tourne trop tellement vite, mon dieu. Yeah. T'as voulu jouer sur la mobilité, hein. Bah t'es servi. Raté. Touché.
Yes. C'est bon. Touché. Boom. Ah, j'étais dans le boss. Mon lieu. C'est une expérience que j'aimerais ne pas renouveler si possible, d'être à l'intérieur du boss. Merci, boss. Oh 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 oh. C'est bon. Beaucoup. Ok. Je navigue. Hein? Sur les flots. Ah, j'ai une idée. Non, je vais trop vite, je vais trop vite. Meurs. C'est énorme cette partie, bordel. Yeah. Non. Ah mais ça tout à l'heure ça m'a tué donc non. Ça non plus. Je pourrais prendre ça mais la régène. Allez. Wouh. Nice. Ah cette fois j'ai la vitesse pour t'esquiver. Par contre j'ai plus de vie. Accessoirement. On y va. Ah. Comment faut pas se dégonfler avec ce genre de vaisseau? Faut y aller hein. On perd trop de vie quand on accélère, c'est ouf. Ah, il faut pas que je m'amuse à accélérer trop longtemps en fait, c'est ça qui me tue. D'accord, ok. Plus 5 niveaux. Perdez toutes vos relances. Ouais, l'autre est. Alors, on veut vraiment faire des courses d'accélération et balancer le projectile. Le. Il vient de se barrer avec un flash plutôt, peut-être. Ah ouais, pas mal. Ah, je suis où? Je suis là. Pas mal. Apparemment, les ennemis meurent. Hein. Propulsion pour échapper à ça sans problème. Ok. C'est où l'esquive là? Résistance de la coque, recul de collision. C'est ce qu'on veut. On veut de la collision. On a pu échapper à un trou noir. C'est physiquement impossible. Aouh. Death. Pif. J'aimerais bien choper l'esquive là pour voir ce que ça donne. Le super module basé sur la combinaison des deux, ça doit être assez funky. Nice! Ça marche hein. Alors là ça le problème c'est que je ne peux plus jongler entre dégâts d'armes et dégâts de collision parce que je n'ai plus d'armes. Donc ça ne marchera pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça, c'est ça qu'on veut. Oui. Ok. Ok. Quoi? Pourquoi je suis allé là-bas? Comment je me suis retrouvé là-bas? Bref. Alors faut que j'accélère avant de faire le flash pour augmenter mes dégâts, ouais c'est ça. Sur ce genre d'ennemi ça peut être compliqué quand même. Touché. Ah. Yes. Yes. C'est moi la comète. Yay. Yeah. Bon, et qu'est-ce qu'on veut maintenant alors? C'est une excellente question.
On se fait pas péter le bouclier trop vite. Bah écoute, pourquoi pas. Il y a que des trucs sur la mobilité quasiment. C'est trop rigolo. On a un peu plus de concentration que la partie avec les missiles, évidemment, mais c'est rigolo. Pif. Yes. Ça marche. Charge d'armure. Attends, c'est quoi ça? Vous n'entrez plus en collision avec les ennemis? Ah bon? Mais comment je fais mes dégâts de flash du coup? Ah mais sans collision. Ah non, mais j'ai pris des trucs pour les dégâts de combustion, ça va pas du tout. Plus de boucliers encore. Ah peut-être, allez. Alors, je sais que la dernière fois je disais faut pas prendre des peut-être, faut prendre des c'est sûr ça marche, mais là je sais pas quoi prendre de plus en fait. Peut-être des dégâts de brûlure, je crois que je fais des dégâts de brûlure avec la lance céleste et tout là. Ça va être compliqué toi. Ça va être un peu complexe. Faut que je me stabilise. Faut que je reste appuyé sur B pour pas foncer sur lui. Voilà comme ça. Ça fait pas très mal hein. Quoique. Recule. Plus vite Tiens. Tiens, tiens. Compliqué quand même. Ah, il a trop ses boucliers qui tombent, je peux pas le toucher là. J'ai essayé quand même, ça a fait mal. Ah là là. Une boule de flipper avec ses boucliers. Ah, tu sais quoi? Oups. Oh, ah, la collision m'a donné de la vitesse et la vitesse me fait des dégâts et ça m'a tué. Bon, je sais pas bien construire encore cet archétype là, clairement. Il y avait des trucs rigolos, mais ça fonctionnait quand même pas très très bien. Donc le flash comme seule source de dégâts, plus la collision, je sais pas faire encore. Ça aurait pu, hein, mais peut-être avec un bouclier qui se recharge très vite, qui est tout petit et qui fait des dégâts en se pétant, ça aurait mieux marché, mais... Après, t'es à poil, et là, je crois que ce qui m'a tué, en fait, c'est ça. Hein. Clairement, le fait que quand j'accélère, je prenne des dégâts, c'était pas bon. Après, c'est ça qui me faisait buter les ennemis. Avec ça aussi. Mais c'était pas forcément très bon, surtout que j'avais aucune amélioration sur la brûlure et que ça fait des dégâts de brûlure. Bon bref, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Rogue Justice joue à Nova Drift. J'espère que ça vous a plu, on aura quand même fait notre record aujourd'hui et ça c'est bien. Et je vous dis à très vite pour la suite, d'ici là portez-vous bien, ciao ciao.